Réveillio. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronel? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci, allez à votre place. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, Axio. Lancez Axio sur l'une des... Excellent contrôle! Bien. Voyez cela comme des bambous, par exemple. Voilà! Très bien! Très bien, des points pour Serpentard. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onai, vous serez rouge, compris? Compris. Regarde bien.
Action. De me faciliter la tâche, papa. Voyons voir. Voilà comment on fait. Action. Bravo. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Ne vous déconcentrez pas. Regarde bien. Et voilà. Voilà. Voyons voir. Je te revaudrai ça. Bravo à vous deux. Beau travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi. C'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ça a été un plaisir de te parler et de t'affronter. Pareillement. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Rébellion. Possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Je peux vous parler un instant ? Ne fonctionne pas sur les. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai. Une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles.